On est à La Borne, un village du Berry, pas tout à fait comme les autres. Un village d'environ 300 habitants, 30 ateliers céramiques, 13 nationalités qui viennent travailler là, c'est pas pour rien. Pendant des dizaines d'années, on fabrique le pichet, la cuvette, le saloir. Beaucoup de villages potiers sont morts avec le plastique, j'ai envie de dire. Ici, dans les années 70 notamment, tout un groupe de céramistes qui étaient venus pour fabriquer de l'utilitaire découvre qu'on peut faire de l'art et de la sculpture avec l'argile. Et c'est ce caractère unique des pièces qui sortent de La Borne qui ont fait que ça a perduré. C'est vraiment une œuvre, même pour un petit bol. Ça commence par la terre, par la boue en fait. Elle va se raffermir et elle va avoir une consistance qu'on va pouvoir travailler. Pour la 8e année consécutive, l'association Céramique La Borne organise les grands feux. Il y a ces formes imbriquées comme ça, l'une qui rentrent l'une dans l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est la distance entre d'imbrication. C'est des volumes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Le grand feu, c'est d'abord un terme technique, hein. C'est un moment de la cuisson, on passe en grand feu. Et c'est un moment rare où on peut voir travailler les gens qui cuisent au bois. Eh mais du coup, il y a de la place là. Attends, non, il faut prendre un encore. Donc on est dans un four couché à flamme directe. On doit monter jusqu'à la voûte. Le but, c'est de contrarier la flamme. Parce que si elle passe tout droit, il n'y a aucun effet. Donc il faut l'arrêter à certains moments pour qu'elle soit obligée de contourner et d'aller se glisser. La cuisson bois, c'est une technique ancestrale. Les premières poteries, donc ici, seraient datées du XIIIe siècle. Évidemment, elles sont cuites au bois. Ici, on travaille avec du déchet. Nous cuisons avec des déchets de scierie. L'impact au niveau carbone, rejet carbone, c'est zéro. C'est le bois que vous mettez dans votre four qui dégage le carbone qu'il contient intrinsèquement. Et les forêts qui sont autour, qui sont des forêts gérées, durables, récupèrent le carbone de vos cuissons, retransforment ce carbone en oxygène en quelques heures. Suivant la façon dont la pièce aura été travaillée, elle va demander plus de flammes, plus d'effets. Il y a des terres qui vont adorer avoir de la cendre, certaines vont adorer avoir de la braise, d'autres, il n'y aura pas d'effet. Après, il y a des céramistes qui n'aimeront pas ces effets, ni de cendre, ni la braise. Il y en a qui en veulent absolument. C'est un travail délicat parce que le résultat de la cuisson, il est influencé de toute façon. La différence entre un céramiste et un peintre, c'est qu'un peintre, une fois qu'il a fini son tableau, il signe, c'est fini. Nous, une fois qu'on a fini notre pièce, on la signe et on la confie au feu. Et c'est le feu qui fait la touche finale. Quelque part, ça n'appartient plus au potier. Moins exposé aux braises, un peu plus loin dans le four, va donner cette pièce, par exemple, cette matière que peut avoir la pièce de Lucien Petit ici. Le four, il est bien, bien plein. Donc là, je vais monter la porte, donc une porte en brique. Là, on va mettre le bois. On va monter la braise, une journée entière plus une nuit. On sera à peu près entre 800 et 900 degrés. Et après, ensuite, on passe à l'ouverture du dessus, puisque la braise, elle aura déjà bien monté. Et là, à ce moment-là, on va passer avec du bois beaucoup plus fin. Et là, on va continuer vraiment à monter en température. Donc voilà, jusqu'à atteindre les 1300 degrés. On peut comprendre comment on cuit au bois, on peut comprendre tous les types de fours qui existent à La Borne, et ils sont multiples. On peut comprendre comment on enfourne, puisqu'il y aura des enfournements, comment on cuit, puisqu'il y aura des cuissons, comment on défourne les pièces. Dans ce four-là, on cuit des sculptures dans le cadre
des résidences d'artistes à la Borne. On y va. Le four est large et en jetant du bois de chaque côté, ça donne une régularité dans la combustion et la montée en température. Il faut être une bonne équipe, quoi. Et du coup, c'est jour et nuit. Et donc, du coup, il faut que ça se passe dans la bonne humeur, parce que c'est pas toujours facile, c'est chaud, voilà. Là, on est à la fin. C'est le dernier jour. On est à peu près à 1300 degrés. On est content, ça va être bientôt la fin.